Et tout le monde, c'est Nobel Caballero. J'espère que vous allez bien. Ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, encore une toute nouvelle vidéo. Ça fait environ 2 semaines que j'ai été absent. Et pour cela, je tiens à m'excuser. J'ai été un peu près, pas le temps. Donc j'ai pas eu le temps de faire vous présenter quelques crypto-monnaies. Ok? Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une crypto-monnaie qui allait être très intéressante. Voilà, parce que c'est une dérivée d'une crypto-monnaie qui est en train de percer même en ce moment. Voilà. Donc sans plus tarder, moi je vous dis let's go. Je vous présente Baby Saitama. Comme tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ils connaissent Baby Saitama. Voilà, lorsque on s'attend, il y a une crypto-monnaie qui est en train d'exploser. Il faudrait que forcément quand ça atteigne à un truc qui va sortir, voilà, un Baby Saitama comme un Baby Dogecoin, voilà, ce genre de trucs là. Donc je vais dire en griffe, les passionnés de Saitama ont créé son enfant. C'est ça qui est Baby Saitama. Donc là, je vais traduire ensemble, je vais traduire la page internet et ensemble, on va voir quels sont ses points forts. Donc, on dit bienvenue à la communauté de Baby Saitama, le nouveau baby en ville. Donc aussi, je tiens à préciser que ce token là, on l'achète sur Uniswap. Voilà. Mais comme vous le savez tous, dans mes vidéos, je ne présente jamais comment est-ce qu'on achète avec Uniswap parce que les frais sont trop élevés. Ok, donc si tu souhaites savoir comment est-ce qu'on achète ces crypto-monnaies, je t'invite à rester jusqu'en fin des vidéos. Voilà, pour que tu puisses avoir un peu savoir comment est-ce qu'on achète tout simplement. C'est très facile. On dit bienvenue à la communauté de Baby Saitama, le nouveau baby en live. Baby Saitama est plus d'une pièce de mètre qui récompense ses détenteurs avec 2%. Les Baby NFT ont lancé notre jeu, voilà. Donc, comme on le voit, ils ont lancé un projet NFT, voilà, des Baby NFT et notre jeu P2P, voilà. Donc, je crois qu'il y a les jeux aussi qui étaient lancés, voilà. Donc, il y a les jeux et puis il y a NFT. En fait, je crois que ce sont les personnages du jeu qui vont prendre pour faire un NFT. Voilà, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur NFT, c'est quoi NFT, mais je n'ai pas encore eu le temps, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous la ferai cette vidéo-là. Donc, ici, qu'est-ce que Baby Saitama? On dit Baby Saitama est un signe de l'aigle vint sur le bloc Ethereum d'Ethereum qui offre des récompenses sans friction à ses détenteurs. Il peut être échangé sur la plateforme Uniswap à l'aide de Trust Wallet ou MetaMask. Voilà, donc les échangeurs décentralisés sur lesquels vous pouvez acheter Baby Saitama, il y a Trust Wallet et MetaMask. Je vais dire en griffe, ce sont ces deux échangeurs-là clés. Voilà, sinon tu peux aussi acheter sur SafePal, voilà, ce genre d'échangeurs décentralisés-là. Donc, Baby Saitama est un véritable projet communautaire et est contrainte à la plupart des projets qui prétendent être une communauté dirigée. Ce projet est inspiré par la communauté. Nos idées et initiatives sont reçues par un talentueux et dévoué équipe de développement de projets pour l'évaluation, l'analyse, la présentation et la communauté pour, voilà, blablabla. Donc, en griffant, Baby Saitama, c'est un projet communautaire. Et aussi, ils disent qu'il y a certains crypto-monnaies qui se lancent, mais ils mentent être un projet communautaire. Voilà, ils mentent être un projet communautaire. Eux, ils disent ici qu'ils sont un projet communautaire. Donc, on doit le croire sur parole. Voilà. Donc, selon eux, ils sont un projet communautaire. On va avoir plus de détails lorsqu'on va se rendre sur Etherscan. OK? Donc, là, on nous dit qu'ils sont un projet communautaire, que voilà, c'est un projet créé par une communauté. Selon moi, cette communauté, c'est quoi? C'est tout simplement je vais dire, ceux qui sont vite arrivés sur Saitama Inu, voilà, ceux qui ont bénéficié de Saitama Inu, lorsque j'ai gagné quelques gains, ce sont ces gains-là qu'ils ont pu lancer un Baby Saitama. Ok? Donc, leur tokenomics, un token réflexoriste et déflationnaire. Oh! Chaque fois qu'une transaction a eu lieu, il y a 4% de frais qui sont relevés. Donc, là, comme je vous l'ai dit dans toutes les vidéos, je vous mettrai le lien de leur site internet en description. Voilà. Ce plus total 100 millions, 1000 millions. Bonus initiative. Bon, là, je n'arrive pas à voir bien, mais bon, c'est qu'est-ce qu'on va se rendre sur Etherscan, on va voir plus de détails là-dessus. Propriété renoncée visible sur les Etherscan, réflexion 2% de retour. Ok, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les ils vont créer, ils vont lancer, vous voyez ça, comme on lui dit, Baby NFT. Toute une ligne de Baby Saitama NFTs sont maintenant sur notre marché. Nous allons l'utiliser pour récompenser nos détenteurs dans les Gives, Airways et autres concours. Ces NFT peuvent être
Voilà. Donc ça, c'est plus de détails sur les NFT. Vu que il veut créer un jeu, donc ils vont mettre l'accent sur les NFT. Comme je l'ai dit auparavant, ce jeu, les personnages du jeu, voilà, ce sont eux qui sont les NFT au fait. Voilà. Donc un bon jeu, je vais prendre le temps de bien vous expliquer un NFT c'est quoi. Voilà. Ok. Donc la carte de route, tout ça, nous on va pas la lire. C'est un truc qui nous intéresse pas trop. Cette crypto-monnaie, hein, bébé Saitama, sincèrement dit, elle a été laissée trop tôt. Voilà, trop tôt. C'est vrai que Saitama, nous, il est en train de faire des capitalisations boursières en 24 extraordinaires. Mais bon, c'est pas pour autant qu'ils vont se permettre de créer un bébé même. Voilà, n'a pas encore progressé, Saitama. Saitama n'a pas encore progressé. Voilà. À l'heure actuelle, sûrement, il va progresser. Au moins, il devait au moins essayer d'atteindre au moins la valeur de Shiba Inu. Voilà, essayer au moins d'atteindre un peu cette valeur. Mais actuellement, il est très éloigné de cette valeur-là. Et se permettre de lancer une crypto-monnaie, un bébé, moi, c'est un peu risqué. Voilà. Moi, selon moi, les développeurs, c'est que. Et leur avis, c'est qu'ils ne voulaient pas que d'autres personnes les devancent. Voilà. Donc, ils ont décidé de se lancer directement. Voilà. Il y a Baby Saitama qui est là. Il y a aussi Mini Saitama qui est là. Voilà. Mini Saitama, je ne l'aime pas trop. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait des vidéos là-dessus. Sinon, Baby Saitama, le projet, il me plaît. Il me plaît. Il me plaît un peu. Voilà. Bon, il était lancé trop tôt. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas responsable de vos investissements. Voilà, nous sommes dans un marché de la finance et les risques sont énormes. Voilà, donc pensez quand même à faire quelques petites recherches avant de vous lancer directement. Ok, là, je suis sur CoinMarketCap et le bébé Saitama est listé sur CoinMarketCap. Ok, donc sa valeur actuelle, elle est de combien? Sa valeur actuelle. Voilà, moi mon compte, je l'ai dit et je le répète, mon compte en francs CFA. Donc sa valeur actuelle c'est de 0,6011 francs CFA. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le jeudi 9 décembre 2021. Donc sa valeur actuelle c'est de 6 € avec 11 francs CFA. Là, nous pouvons voir que depuis qu'il était listé sur CoinMarketCap, il a connu une courbe haussière. Voilà, et après il a chuté. Ensuite, il a connu une courbe haussière et actuellement, il a chuté. Voilà. Donc, en griffe, si on compare sa valeur actuelle à celle. Si on compare sa valeur actuelle, ce qui est là, à celui, à celle d'où il était listé là. Voilà. On va dire, exemple, ceux qui sont, ils sont un peu en gain. Voilà. On va dire, en griffe, qu'ils sont un peu en gain. Maintenant, on va se rendre sur Etherscan pour avoir plus d'informations sur Baby Saitama. Ok, donc là je suis sur Etherscan. Donc ce site-là sera en description. Donc le nombre total de pièces est de 100 millions de milliards. Voilà, donc ils ont le même total de pièces que le vrai Satama. Ils ont le même nombre total de pièces que Shiba Inu. Voilà. Donc actuellement, le holders, quand on dit holders, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont actuellement qui ont cette crypto-monnaie dans leur portefeuille. Donc. Il y a 10 000 orders, ok? Il y a 10 000 orders. Ensuite, les transferts. Donc, les transferts qui se sont effectués sont de 33 000. Donc, lorsque je descends ici, là, je peux voir les transactions qui s'effectuent, ok? Donc, là, je peux voir les transactions qui sont en train de s'effectuer. Voilà, comme vous le voyez, je vais dire que le truc n'est pas encore très, très bien connu. Voilà, donc, vous voyez les transactions là, il y a 38 minutes, il y a 1 heure, il y a 2 heures, tout ça. Aussi, de plus, je peux voir les holders ici. Les holders. Ok, donc il y a 57% de la crypto-monnaie qui sont sur Black Hole. Donc, le Black Hole, c'est quoi? Tout simplement, le Black Hole, c'est en anglais. Je vais dire en français, ça veut dire trou noir. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que c'est un truc. Si je peux le dire, comment où est-ce qu'ils ont bloqué 50% de la monnaie? Ok, donc là, bon, 57%. Voilà, donc ils ont bloqué 57% de cette monnaie dans le black hole. Sur le site internet, on n'a pas plus, j'ai pas pu voir plus de détails sur le nombre de pièces qui ont été bloquées. Voilà, mais ici, c'est le black hole, c'est-à-dire qu'ils ont été bloqués sur un site internet. Je sais pas, mais je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont été bloqués quelque part. Voilà.
Et malheureusement, on peut pas, y a pas plus de détails sur le site internet. Contrairement à d'autres crypto-monnaies où est-ce qu'ils disent que on a bloqué 50% pour 2 ans, pour 5 ans, pour 100 ans, on a bloqué ça, voilà. Mais ici, malheureusement, on n'a pas plus de détails. Donc là, je suis revenu sur le site internet pour vous montrer. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y a, comme je l'ai dit précédemment, il y a cette partie-là de la crypto-monnaie qui a été bloquée. Voilà, c'est 47% qui sont bloqués. Voilà, ils sont bloqués. Voilà. J'ai pas, sur le site internet, je n'arrive pas à voir où est-ce que le burn a été fait, mais ils ont tout simplement dit qu'un burn a été bloqué. Voilà. Donc, je vais dire en gif, ils n'ont pas en possession les 57%. Ils ont été bloqués dans un truc. Voilà. Donc, il y a 57% qui étaient bloqués et il y a 43% qui sont en circulation. Donc, ce sont ces 43% que nous, les holders, on va acheter, on va s'en approprier. Voilà. Et il y a 57% qu'on ne pourra pas toucher. Ni les trucs, comment ça s'appelle même ni les développeurs de cette crypto-monnaie-là. On revient à nos moutons. Ensuite, le deuxième, on peut voir que le deuxième, c'est Uniswap qui détient 1%. Et après, il y a les adresses, ce que j'appelle les baleines. Voilà. Après, il y a les baleines qui sont là, qui viennent. Voilà. On a même Hotbit aussi, qui est listé sur Hotbit. Voilà. Hotbit, moi, je l'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas trop. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Je vais vous montrer comment est-ce qu'on achète le bébé Saitama. C'est très simple. Bébé Saitama, il est listé sur Elbank. Voilà. Il est listé sur Elbank. Voilà. Donc, tout le monde sait que c'est grâce à Elbank qu'une grande majorité des holders de Saitama et nous sont passés. Donc, bébé Saitama aussi est sur Elbank. Donc, en description, je vais vous mettre le lien d'inscription à Elbank. Donc, ce lien d'inscription, à quoi il va servir? Tout simplement, il vous servira à créer votre compte Elbank. Pour ceux qui n'ont pas de compte Elbank, pour ceux qui ont un compte Elbank, vous pouvez directement aller acheter vos bébés Saitama sur Elbank. Ça, c'est pour les nouveaux, ok? Donc, comment est-ce que ça se passe tout simplement? C'est très simple. Dans cette partie-là, vous allez mettre vos mails. Ok? Donc, dans cette partie-là, je mets mon mail. Après avoir vu mon mail, je vais mettre mon mot de passe. Ok? Donc, je vais mettre Nobel Caballero. Voilà. 12@. Ok? Donc, une fois que cela est fait, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vas appuyer sur claim 250U. Ok, donc tu appuies sur claim 250U. Une fois que tu appuies, tu vas appuyer sur having a problem. Donc, tu appuies là-dessus. Ensuite, tu appuies encore sur having a problems. Ensuite, tu appuies encore sur having a problems. Et après, tu appuies encore sur I am not a robot. Donc, une fois que tu appuies, il y a ça qui sortira. Ok, donc tu vas patienter jusqu'à ce que tu vas résoudre les petits problèmes qui vont te poser. Donc là, tout simplement, on me dit de prendre cette case là et la mettre ici. Donc je vais glisser tout simplement jusqu'à ce que ça soit entré bien. Une fois que c'est bien entré, mon compte va m'envoyer. Voilà, comme vous le voyez ici, il m'envoie un message sur mon Gmail. Donc directement, je me rends sur mon mail. Là, j'ai le mot de passe qui est là, donc je le copie et je le colle ici. Voilà. Donc, une fois que je l'ai collé, je vais appuyer sur claim 250 et tout ça bonus. Voilà. Donc, une fois que vous allez faire, le truc il sera terminé. Votre compte il sera créé. Ok. Donc, une fois que votre compte est créé, là, mon compte ne se crée pas parce que c'est un compte qui est déjà utilisé. Voilà. Donc, votre compte sera créé. Donc, une fois que votre compte sera créé, vous allez partir installer l'application Elbank sur Play Store et App Store. Voilà l'application qui se trouve là. Ok. Donc, c'est à partir de là que vous allez installer et vous allez vous connecter à votre compte. Une fois que tout ça c'est terminé, vous allez lancer l'application. Donc, vous allez vous trouver sur cette application là après que vous vous êtes connecté. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite tout simplement? Vous allez tout simplement aller dans Wallet. Ça, c'est un truc que je répète. Ok. Donc, pour les nouveaux, là, je vais juste m'arrêter à partir où ils étaient. Pour les nouveaux, vous devez regarder la vidéo sur comment acheter Saitama Inu. Je vais la mettre en description. Donc, c'est cette même procédure-là pour recharger des USDT que vous allez faire tout simplement.
Donc ici, lorsque vous êtes là, vous allez appuyer sur Deposit. Ensuite, dans Search, vous allez taper tout simplement USDT. Donc une fois que vous tapez USDT, ça sortira. Voilà le USDT qui est là. Donc on prend celui qui est en dessous. Une fois qu'on l'a pris directement, on va prendre sur le tronc 20. Ok, donc vous prenez le tronc 20. Une fois que vous allez prendre le tronc 20, voilà, vous copiez l'adresse contrat. Une fois que l'adresse contrat a été copiée, vous partez vous recharger sur Digital Cash, sur Assure Exchange, sur Easy Chain. Ça dépend de vous. Ce sont des USDT tronc 20. Donc là, je vais m'arrêter là. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, regardez la vidéo sur comment acheter cette main. De toutes les façons, je vais la mettre en description. Donc une fois que vous avez reçu vos USDT, ça va s'apparaître là. Il y aura USDT qui sera au premier rang ici. Donc une fois que vous êtes là, vous allez retenir dans la partie accueil. Là, vous allez appuyer la partie accueil. Ensuite, dans Search, vous allez taper Baby Saitama. Donc, moi, je tape Baby Saitama. Et vous voyez, il est sorti. Donc là, je l'appuie directement. Ensuite, je vais appuyer sur Buy. OK? Donc, j'appuie sur Buy. Ensuite, là, limite, je vais appuyer et je vais sélectionner Market. Une fois que je prends Market, j'appuie sur Market. Ensuite, là, il aura marqué vos nombres total de USDT. Voilà, si tu t'es rechargé $30, il y aura $30 de USDT qui sera ici. Et là, tu vas mettre le volume de USDT que tu veux. Si tu veux utiliser tous tes $30 directement, cette barre-là, tu vas la glisser pour la mettre ici. Comme ça, tout simplement. Une fois que c'est fini, tu vas appuyer sur Buy Baby Saitama. Et automatiquement, tes Baby Saitama vont apparaître là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un Nobel Caballero. Et moi, je vous dis tout simplement, ciao, ciao.